Salut à tous, c'est Noé et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, nom de Dieu. Et oui, la chaîne reprend du service et cette fois c'est pour de bon. On reprend ça sérieusement. Bon, je vais continuer cette intro avec un chat, elle fait trop de bruit. Ah, oh, je fais trop de bruit, oh, bon, oui. D'ailleurs, j'ai deux trois trucs à vous dire pour ce renouveau de la chaîne. Je vous en parle un petit peu plus en fin de vidéo si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, sans plus attendre, on part sur la démo d'un petit jeu d'horreur fait par les studios Weaver et on se retrouve en fin de vidéo. Ok, c'est parti. Oh merde, c'est en anglais. Alors, c'est l'endroit que j'ai vu dans mes rêves. Ah, nous sommes en roue. Je sais qu'elle voulait que je trouve cet endroit, mais pourquoi? Est-ce que c'est une histoire à la Silent Hill? Ok, on a une photo, j'ai pas eu le temps de voir. Alors comment se joue ce jeu? Ah! On joue au clavier, ce n'est pas un point and click. Le style du jeu est cool en tout cas. Inspect. Alors on a... comment je récupère l'objet? Je n'en ai aucune idée. Ah, pick up. Ok, d'accord. On l'a dans notre inventaire. Ah, il va me couper la tête! Il fait hyper sombre. On voit rien, on sait pas comment on est là. Objet to use. Ouais. C'est bon? J'ai fait un truc? Attendez, la fille apprend comment jouer. Je suis perdue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait let's play. Oh, il y a... Putain, ça m'a foutu les boules, ça. Il y a une porte dessinée. Une porte peinte, bah oui. Je peux pas les utiliser du coup. Et pourquoi? et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mon cher. Qu'est-ce qui se passe? 4 petits points. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des bandes noires qui sont apparues? La peinture a l'air fraîche. Ce papier peint est putain de magnifique. Oh! The Mansion Worship Chamber. C'est beau. Will? Oh, on s'appelle Will! Je peux t'offrir mon pouvoir. Oh oui! Cette voix, je l'ai entendue dans mes rêves. Ce Shining Tropezoédron. Ouais. Donc ça veut dire le trapézoèdre brillant. Qu'est-ce qu'un trapézoèdre maintenant? Le trapézoèdre ou anti-diamant est le polyèdre dual d'un antiprisme. Ses faces sont des deltoïdes congrues. Les faces sont décalées symétriquement. Okay, c'est un caillou ou quoi? Merci Wikipédia. Bon bref. Qu'est-ce que vous voulez de moi, petit caillou? Oh. What the fuck? Ah oh putain, mais mon PC bug quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce que je suis moi? Ah, ça va un peu mieux. Ma tête, où est-ce que je suis? J'ai pas le temps de lire. Très bien, merci beaucoup. Ok, T pour appeler le trapézoïde. Ah, et on le fait déplacer autour de Will. Ok. Ça peut révéler des secrets. Très bien. Et mais maintenant, où suis-je? Mon PC bug. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis un trapézoïde brillant. Le trapézoïde ou anti-diamant ou deltoèdre n-gonal est le polyèdre dual d'un antiprisme n-gonal régulier. Ces deux faces sont des deltoïdes congrus ou cerfs-volants. Les faces sont décalées symétriquement. Le nom trapézoïde est trompeur puisque les faces ne sont pas des trapézoïdes. Ce qui veut dire... Je suis un caillou. Ouh, space to hide. Oh putain, c'est terrifiant ça. Et mon PC a des bugs, c'est terrible. Ah ça c'est flippant. Oh! Oula! Il y a eu une espèce de fantôme de moi qui est assez dedans là, c'était chelou. Oui? Non, d'accord, hein, on est d'accord, on n'a rien entendu. Hein. De bizarre, très bien.
J'ai entendu un bruit suspect. Bruit suspect, es-tu là? J'invoque le bruit suspect. J'ai les boules. Ah! C'était pas ouvert ici. Qu'est-ce qui peut faire un bruit comme ça? On va pas attendre pour le savoir. Ça, c'est que Toulouse ou une montre religieuse. Ah, ça m'a téléporté. Ça m'a téléporté de l'autre côté. Du coup, ça m'a ramené vers le monstre. Ah, la clé là. Waouh, bonjour. Il est vraiment nul. Hein. Bon, on a trouvé. C'est bon, on a la clé. Vite, passons cette porte. Ne crois pas tes souvenirs. La réalité est un mensonge. Ah, bruit chelou. Ah, je ne vais pas par là. Non. Et là, il y a un bruit chelou. J'ai pas envie d'y aller. Envie, parce que je suis en vie. Allez, je me suis tapé derrière un monstre. Je dois me souvenir. Est-ce que tu le sens, Will? L'énergie qui pulse à travers ce mur. Pulse. J'adore ce mot. Ok. Ça, la pierre va nous aider. Cette voix encore. D'autres chemins. Il arrive? Pitié. Il est juste là? Bonjour. Ah mais il est coincé! Quand c'est chargé, lève bouton. Ah! On peut le buter. Ah mais je crois qu'il est plus chargé. Attendez, je reviens. Attends, petit monstre. Ça t'a plu? Et qu'est-ce qui se passe? Qui toque? J'aime pas quand ça toque. Je vais le savoir maintenant. Oula, mais on y voit plus rien. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je suis assise toute seule. C'est quoi ça? Ouais, j'ai une espèce de petite lame. Ouah, je peux attaquer! Trop bien! On va la charger. Mon caillou est chargé. Sa mère. Ah, mon PC bug. Stop. Ah bah, s'il m'a pas vu là, c'est qu'il est con quand même. N'importe quoi, attendez. Mon caillou. Je me suis faxé derrière lui. N'importe quoi. Merde! Oh là, voilà, voilà. Ah! Oh, c'est terrifiant. C'est du mauvais côté. C'est pas grave, ça marche quand même. Yes! J'ai eu. Et j'ai un autre caillou. Qu'est-ce que je suis contente. C'était juste un rêve. Même dans mon sommeil, je ne peux m'échapper de cet endroit. Il y a de nouveau un truc là-dedans. Et il y a toujours ça. C'est marrant. Je vais le reprendre, hein, dans le doute. Nous sommes dans une boucle temporelle. Putain, le bruit de la porte m'a fait flipper, quoi. Ça s'est fermé.
Oh, mais c'est quoi cette photo terrifiante? C'est qui lui? Ça sent. En quoi fait cette porte? Ça sent terriblement mauvais. Est-ce que j'ai plus mon poignard? Ah merde, j'aurais pu peut-être déchirer la porte. Je me sens tellement fatiguée, je veux juste sortir de cet endroit. T'inquiète pas, Will, je vais t'aider. Nous sommes dehors. Hop là, bonjour. Est-ce que je peux peut-être utiliser ça? Oui. Il y a un bout de djembé, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la musique. Cette tête. Bon, on veut un portail tridimensionnel. Oh bah j'ai bien l'impression. Oh, ça sent bien. Ça sent bien le jeu à la Silent Hill, genre on a fait un truc, on se rappelle pas. Enfin, en tout cas, horrible s'est passé, on se souvient pas et tout. Je sens bien le truc comme ça. Il y a du sang ici. Bonjour. Cette porte est bizarre par rapport aux autres. Ça a l'air d'être fermé, merde. Tout est fermé, bon sang. Galerie des portraits. Puis-je descendre aux escaliers? Oui. Waouh! C'est marrant, il y a plein de portes différentes, peut-être avec des mondes parallèles différents. Là, ça fait un petit peu science-fiction. Tout à l'heure, on avait un truc en pot. La porte, la tapeur est pathétique. C'est un outil destructeur. Prends-le, quoi. Ah oui, il y a un flingue, j'avais même pas vu, oh là là. Oh là là, nous sommes armés. Ah. Ah, ça c'est con. Ça c'est très con. J'ai pas de munitions. Oh là, j'ai l'air dangereux comme ça. On voit rien du tout. Ok. J'allais dire la même chose, tiens. Très drôle. Ouh, la vérité? Ah! Je pouvais rentrer ici, en fait. Qui êtes-vous? Allez, Will. Tu connais les règles. Je vous connais? Bien sûr que tu me connais, mon cher ami. Et je peux t'en dire plus à propos de ta situation. Mais tu dois d'abord faire quelque chose pour moi. Vous pouvez pas juste me le dire? Cette pièce est ma maison. Et dans ma maison, tu suis mes règles. Donc s'il te plaît, assieds-toi. Qui êtes-vous? Et comment me connaissez-vous? Je suis votre seul et unique véritable ami dans cette terrible situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok, j'ai l'impression que tu joues avec moi et je ne suis pas d'humeur. Dis-moi juste ce que je veux savoir. Tu peux juste m'appeler The Save Anne. Save Room Guys. Oui, appelle-moi comme ça. Je vais te donner une clé qui ouvrira une porte dans le manoir. Tu dois te rendre à cette porte et trouver l'âme qui est enfermée à l'intérieur. Tu peux soit détruire cette âme, soit la libérer. Sauver ou détruire une âme? Ce n'est réellement qu'un jeu pour vous, n'est-ce pas? Regardez comment vous vous sentez à présent. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est ridicule. Mais ok, je vais vous distraire. Safe room, guys. Pour la sauver, vous devez chercher quelque chose d'important pour l'âme qui leur rappelle leur humanité. Et pour la détruire, vous devez les forcer à répéter leur mort. Répéter leur mort? Est-ce que vous me demandez d'être un meurtrier? Chacun m'a commis des atrocités avant de mourir. Alors peut-être que se sentir désolé pour eux est facultatif. Quoi qu'il en soit, vous devez faire des recherches pour savoir comment faire l'un ou l'autre. Pas besoin de s'inquiéter de cette partie. Nous savons tous les deux que l'enquête vous vient naturellement. Mais pourquoi est-ce que je dois faire tout ça? Vos questions recevront une réponse à temps. Probablement. Bien. Donnez-moi cette foutue clé. J'espère que je vais bientôt me réveiller pour que tout soit fini. Ne traite pas cela comme un rêve, mon sang. Car si tu le fais, ça sera sûrement le dernier que tu feras. Ce n'est pas une menace,
juste un avertissement. Peu importe, si vous avez encore besoin de mon aide, vous n'aurez qu'à revenir ici. Je serai là. Eh mais, rends-moi ça! Rends-moi ça tout de suite! Qu'est-ce que c'est que cette image? Oh, enlève-moi ça tout de suite! C'est pas drôle! Enlève ça! Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis chié dessus! Ok, on va essayer de retrouver la porte qui était fermée. C'est celle-là. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir entrer dans cette pièce? Oui. Je suppose. Cette ouverture de porte à la Resident Evil, magnifique! Magnifique! Dans une sorte de lobby. J'ai plus la pierre avec moi. Reviens, petit caillou! Ok. Super. Oh, ça a allumé le feu! Sérieusement. Ça, ça va pas l'air de fonctionner. Oh. Qu'est-ce qui se passe? What the... Vous sentez pas l'air qui vient d'ici, Will? Avec mon pouvoir, vous pouvez voir ça. Et du coup, c'est quoi? Ah, oh, je vois ce qui s'est passé. Ils ont tué un blond. Merde! Quelle horreur! Ils ont tué un blond? Rien à foutre! Non, c'est bon, je veux pas voir. Ah, le passage est passé. Et barré. Qu'est-ce que c'est que ce truc sur la porte? Je sais pas, il y a un œil. Exit. Putain de merde, il y a des boîtes là. Mais ça devient flippant, dis donc! Je suis où là? Y'a eu quelqu'un qui est passé là-dedans? Allô? Je vous ai vu! Oh putain, je crois que je suis pas tout seul ici, oui, je crois aussi! Ah, c'est glauque! Je peux me cacher dans la. Oh là 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 là! Oh, j'ai peur! Dessin d'enfant. L'enfant qui s'est sauvé, mais. Et qui pleure. Putain, les boules. T'es qui toi? Oh, hi! Salut. Hello? Hello, monsieur, je vois que vous avez trouvé un de mes dessins. Mon nom est Anne-Marie. Qui êtes-vous? Mon nom est Will. Et je cherche un endroit pour quitter ce building. Est-ce que tu sais comment? Quelle étrange question. On sort pas par la porte d'entrée normalement? Oui, bien sûr, mais il y a une étrange serrure dessus. Bien, toutes les portes ici n'ont pas de serrure. Vous savez que vous pouvez déverrouiller les portes de l'intérieur, n'est-ce pas? Peu importe. Y a-t-il d'autres personnes qui pourraient être en mesure de m'aider ici? Bien, il y a Brennan. Mais je pense pas qu'il m'aime plus que ça. Oh, il y a tous mes amis en bas qui se sont réunis pour mon goûter. Vous êtes une étrange personne, mais mes amis aussi sont étranges. Vous devriez nous rejoindre. Merci pour l'invitation, mais j'ai pas le temps de m'amuser. Peut-être que je devrais aller parler à ce Brennan. Ok, bien. Je cherche un de mes amis qui est en retard pour mon goûter. Si vous le trouvez, vous pourrez me l'apporter, ok? Si vous le faites, j'essaierai peut-être de vous aider à sortir d'ici. Je ne... Ok, peut-être. Je verrai. Merci, monsieur. Au revoir. Hihihi. Putain, elle est pas bizarre, elle, déjà. Waouh, mais c'est immense. J'ai un peu les boules. Ok! La douche s'est mal passée, c'est ça? Oh, il a été mutilé, son deck. Waouh, il a été mutilé comme il faut. Hein. T'avais pas un petit truc sur toi? Non. D'accord, c'était juste pour le plaisir.
You are pretty, hein, mais c'est très gentil. Merci. J'apprécie beaucoup. Space hide. Oh, je peux me cacher de partout, quoi. J'ai peur. Ah, c'est un endroit qui a volé, non? Oh! J'ai des munitions! Avec ça, oui! On va peut-être équiper, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ça? Les clés de l'appartement A2. C'est mourir de pas rassurer ça. Encore un ascenseur, mais ça marche pas. Putain, c'est la gamine, elle m'a fait flipper quoi. Saleté, il y a encore une safe room. Je sais pas, c'est pas la bonne clé. W, est-ce que c'est pour moi? Ah, peut-être pour Will, ouais. Mais c'est pas la clé, non. Ah, broken flashlight. Je suis paumé, c'est grand. Ah, je peux pas respirer. Oula. Oula, ouais, non, je vais crever. Non! Ah! Je me suis trompé de touche. J'ai pas envie d'aller par là. Je le sens mal, cet étage. Il y a une grosse hache! Je peux la prendre? Jesus! Elle est pleine de sang. Et ouais, quelqu'un qui... D'accord. Il faudrait être deux fois plus grand que moi pour pouvoir la prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne la serrure? Sa mère! Je dois partir d'ici! Je peux pas tirer? Non? Non, d'accord, je me casse. Je vais où? Moi, je me suis cassé, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ça arrive. Oh, je peux me cacher dans le carton. Je vois rien! On peut dire qu'il y a anguille sous roche. Il a l'air d'être là, le mec. Faut que je pense à utiliser ça. Il y a un autre carton. Bon, il y a plein de trucs pour se cacher, en tout cas. Ah. C'est ces petits copains, là, pour... la tea party de la gamine. Tea party. Ah, bonjour. Ok, j'ai chargé mon caillou. J'ai pas loupé. Voilà. Il va pas me suivre. C'est immense, je suis complètement perdu. L'ascenseur est ouvert. Tu veux pas y... Ah. Je crois que je suis mort. Et c'est la fin de cette vidéo. J'ai dû couper le tout en deux parties vu que la démo était beaucoup trop longue. Vous aurez donc prochainement la suite de cette aventure. Donc comme je vous l'ai expliqué en intro, on reprend la chaîne très sérieusement, régulièrement, ne vous inquiétez pas, on va tout faire pour. Comme vous avez pu également le voir, ça ne sera plus que de simples let's play, ça faisait déjà longtemps que je faisais plus trop ça. Et là, ça se concrétise, ça ne sera plus, voilà, des petites vidéos avec pas beaucoup de montage, il n'y en aura plus. Et en ce qui concerne la date de sortie des vidéos, pour le moment, ça sera une vidéo par semaine. Donc vous aurez une nouvelle vidéo tous les mercredis à 18h.
Si jamais les dates de sortie des vidéos venaient à changer, évidemment, vous serez au courant. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en dessous de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à bien activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo, et à surveiller votre calendrier pour savoir quand est-ce que sera la prochaine vidéo, à faire un bisou à votre grand-mère aussi, c'est important. Et moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.